Je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de membre du Conseil politique de l'UFDG. De mon propre chef, parce que l'heure est grave. L'heure est très grave. Nous avons parcouru ensemble 100 km sur 105 km. Il nous reste pratiquement 5 km. Mais c'est 5 km les plus difficiles. C'est les 5 km de danger. La limite, c'est le 1er mars. Ici dans la salle, comme à la tribune, beaucoup ont ressenti des sacrifices. Il y en a qui ont perdu leur proche, leur enfant, comme le papa de Zakarian. Il y en a qui ont perdu leur époux, d'autres leur épouse. Il y en a qui sont blessés. Il y en a qui sont handicapés. J'ai le respect pour tous ceux qui sont là. Je me souviens, le 28 septembre 2009, au stade du 28 septembre, j'ai vu ce qu'on a fait à Elijah Mbonne. Il est en vie aujourd'hui parce que Dieu a voulu qu'il soit là. J'étais pendant les matchs avec Foudoussou Fofana et Alain Touré. Quand devant moi, ils ont été bon matin de l'Ouest à Timonchène. Foudoussou a eu sa vie sauve parce qu'on a directement fait la vie dans une pharmacie. La même chose. Et tout récemment, les dernières marches, j'étais avec le vice-président Jimmy Duba. Alors, monsieur Alpha Condé, nous ne sommes pas contre Alpha Condé. Nous sommes contre sa politique. Si monsieur Alpha Condé renonce à sa prophétie, le pays va faire la constitution. S'il renonce à son projet satanique de présence à vie, on le respectera. Il sera parmi nous. Nous le respectons comme l'ancien président. Mais s'il ne le fait pas, comme il est en train de s'entêter, il trouvera le peuple de Guinée devant lui. Nous avons consenti à ce que sacrifice pour retourner ou pour réguler. Ceux qui sont morts, il y a plus de 145. Ceux qui sont handicapés, il y a plus de 1000. À leur mémoire et pour eux, nous n'avons pas le devoir de réguler. Nous n'avons pas le devoir de dormir. Nous n'avons pas le devoir de renoncer à ce combat. Bravo, bravo. Le 1er mars, c'est la date limite. Le 1er mars, c'est la date limite. Si le 1er mars arrive et que les élections ont lieu, tout à chaque fois, c'est fini pour UFDG, c'est fini pour l'opposition, c'est fini pour nous tous. Que Dieu nous en garde. Pour cette raison, nous devons aujourd'hui nous mettre sur pied de guerre. Il ne faut pas laisser le travail seulement aux jeunes. Il ne faut pas laisser le travail. Où il est chacun, où il se trouve, qu'il soit député, qu'il soit membre du bureau exécutif, qu'il soit sage. Nous devons tous, comme un seul homme, nous lever à la tête de l'Église. Oh,
siégé au parti Union Nationale de Guinée. On dit, mais, Mami Manika, les sorciers, on les dit. Mais il y a un siégé, puis on pense que maintenant on est à la séance de l'Italie. Oui. Parce que vous permettez, maintenant, Tami, son candidat de Guinée, au sein de l'État, Guinée. On y a un gros bien dans le droit de la France, car il n'y a pas la France, c'est qu'il y a un livre, il y a un livre. Alors non, Allah je s'en vais mon gars, mon père m'a perdu la banque pour 2007, il dit ça la caille du fou. Mon père est bien, si tu y as fait, je vous dis qu'il est fort. Si bien que non, alors les gars,